watching you, Erica. Don't break the seal. Bonjour à tous, je me trouve à un événement organisé par PlayStation pour présenter certains des jeux annoncés lors de la conférence de lundi soir avant la Paris Games Week. Et ce jeu, c'est Erika, une des annonces, une des surprises préparées par Sony. Erika est un projet assez particulier qu'on a pu voir dans une démo jouable, mais pas par des journalistes, ce sont les développeurs eux-mêmes qui nous ont un petit peu montré comment fonctionnait ce jeu très très particulier en son gameplay. Alors en fait, il faut déjà savoir que Erika est un jeu PlayStation 4, la date de sortie n'est pas annoncée, c'est une production qui fait partie de l'écosystème PlayLink, qui est cette initiative de PlayStation pour permettre à des joueurs et des non-joueurs, tout simplement d'utiliser leur téléphone portable, leur smartphone en lieu et place de la manette, donc pour des interactions un peu plus subtiles ou un peu plus interactives, je ne sais pas. En tout cas, toujours est-il que on n'y jouait pas avec une manette, on y jouait avec un téléphone à Erika. Erika est un jeu assez particulier dans le sens où c'est à la fois un FMV, donc qui rappelle évidemment toute cette tendance de jeu qu'on a connue dans les années 80-90, donc c'est du full motion vidéo, donc il n'y a pas de réalisation 3D, ce sont des acteurs, des décors réels qui ont été filmés, avec donc des mécaniques de point and click, ça c'est connu, et des mécaniques un peu à Heavy Rain où on devra prendre des choix, des décisions en fonction des situations, avec comme scénario et comme liant narratif l'histoire donc de cette femme, Erika, avec un passé un petit peu trouble visiblement. Elle a été témoin ou actrice d'un drame dans sa jeunesse et elle va essayer de fouiller sa mémoire pour essayer de se souvenir de ces choses-là liées à un meurtre. Alors bon, évidemment, tout le monde fouille dans la mémoire d'Erika. Erika elle-même cherche à connaître son passé, tout comme le criminel d'ailleurs qui va contacter Erika au cours de l'histoire pour essayer justement de lui dire que la vérité n'est peut-être pas celle qu'on lui dit ou qu'on lui montre. Et donc évidemment, il y aura cette histoire un petit peu en miroir qu'il faudra débobiner. Donc avec de la vidéo, donc il n'y a pas de 3D, c'est pas une jouabilité gameplay action ou quoi que ce soit. Ça va s'enchaîner avec deux types de phases a priori, les phases de plan fixe, donc là c'est quasiment de la photo et que vous devrez simplement analyser en utilisant votre doigt comme un pointeur, ouvrir un tiroir, fermer une porte, tirer un rideau, retourner une lettre, gratter par exemple une lettre pour essayer de voir justement s'il n'y avait pas quelque chose inscrit dessus, imprimé dessus par exemple, ce genre de choses. Donc pas mal de petits indices, des mécaniques assez classiques, donc fouiller une pièce, et puis les mécaniques de dialogue qui elles sont en pure vidéo. Et là c'est plutôt intéressant parce que les développeurs d'Erika ont dit dès le départ que c'est pas les premiers à tenter cette initiative, mais eux veulent vraiment mettre fin aux grands problèmes de cette techno qui sont les faux raccords, tout simplement, entre l'animation vidéo, qui évidemment elle, bah, elle est pas en 3D, donc c'est de la vidéo linéaire, et le fait de prendre de la décision. Souvent d'ailleurs, vous avez ces problèmes là dans les FMV, dans les jeux à vidéo, c'est que soit ça marche très bien et c'est linéaire, vous avez aucune action et vous regardez un film, soit au contraire ça l'est pas, il y a des gros faux raccords d'animation selon que vous décidiez d'aller à gauche ou à droite, selon que vous décidiez de poignarder quelqu'un qui vous embête ou au contraire de vous laisser faire. Et du coup voilà, il y a le problème qu'ils ont pris à bras le corps. Ça fait 2 ans qu'ils bossent et sur l'histoire et sur cette mécanique de vidéo interactive. Et le résultat, je dois le dire, est plutôt bluffant. Alors sous réserve évidemment, puisque j'ai pas essayé le jeu, donc forcément les développeurs connaissent très bien les embranchements, les raccords possibles et impossibles à faire. Évidemment, on se pose la question de qu'est-ce qui se passe si on ne fait rien, parce que l'actrice va pas rester 40 minutes devant la caméra immobile en attendant que vous décidiez d'agir. Évidemment, les développeurs ne nous ont pas montré ce qui se passait lorsqu'on ne touchait pas la manette, mais a priori, le téléphone en l'occurrence, mais a priori, au bout d'un certain moment, le jeu avance sans vous. Donc voilà, c'est un jeu qui est assez pauvrement interactif de ce point de vue-là, mais toujours est-il que leur but, c'est vraiment d'initier les gens à la culture PlayStation via le téléphone portable, donc un élément évidemment très rassurant pour les non-joueurs. Et puis, donc cette histoire, ils nous promettent plusieurs embranchements. Alors, on n'a pas bien compris s'il y a plusieurs fins ou simplement plusieurs chemins vers la fin. Toujours est-il qu'ils veulent nous proposer une version d'histoire et une autre version d'histoire à côté, et c'est à vous de croire en l'une ou en l'autre. Et à la fin du jeu, visiblement, on va vous demander de choisir une ou l'autre vérité, et a priori donc ce serait un criminel ou un autre criminel. Donc voilà, c'est une histoire évidemment assez sombre, assez noire, assez bien réalisée aussi, il faut bien le dire, même si évidemment ça ne restera pas tout le monde. En tout cas, Erika, c'est un projet intéressant, et de ce que j'en ai vu, il n'y a pas eu de problème de faux raccords et d'animation pétée, donc ça c'est vraiment cool, et on espère vraiment que ça se passera comme ça lorsqu'on aura le jeu en main. On rappelle, pas de date de sortie, il faut une PS4 et un téléphone portable pour y jouer.